Pour plus de sécurité sur les plages, nous vous invitons à observer quelques consignes simples de prudence. En Aquitaine, des trous d'eau ou baïnes se forment avec les courants côtiers, le vent et la houle. Quand elles se vident, elles créent un courant vers le large et un danger pour les baigneurs. Un conseil, restez calme, ne luttez pas contre et faites des signaux de détresse. De nombreux fascicules reprennent ces consignes. Nous donnons beaucoup d'informations, alors sous plusieurs formes. Nous avons des dépliants avec les explications sur les courants côtiers, sur les courants de baïnes. Nous avons des affichettes. Nous sensibilisons aussi à travers d'actions dans les campings, dans les centres de loisirs, où les sauveteurs se rendent et expliquent un petit peu les dangers de l'océan. Depuis quelque temps, on a une recrudescence d'accidents au niveau des vagues de bordure. Des vagues de bordure, des gens qui ne connaissent pas trop le mécanisme de la vague et qui se font emporter et qui tombent. Donc on a des petites luxations, voire quelquefois des accidents au niveau des rachis. Voilà, donc c'est des petits dangers qu'on trouve fréquemment. Renseignez-vous auprès des maîtres nageurs sauveteurs sur l'identification des zones réglementées. Vous profiterez ainsi en toute sécurité des joies de la baignade. L'association de défense des consommateurs ADIC des Landes répondra à toutes vos questions.